Bonsoir famille, bonsoir tout le monde. Une bienvenue très 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 spéciale à tous qui là. Le Seigneur Dieu les compte à tous, les bénit à tous et nous aussi pareil. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous là dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. Et souvent grâce à Dieu pour ce moment béni que nous vous passez dans sa présence. Gloire à Dieu. Papa très saint dans le bon nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, merci. Le privilège. La grâce de venir accorder nous ce soir pour ta présence, Seigneur. Nous faisons choisir la meilleure part, d'être assis à tes pieds pour recevoir de ta parole, la parole de la grâce, la parole de notre salut, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a le pouvoir, l'autorité, guérit nos âmes, nos corps, nos mentalités, nos pensées. Oh, mon Dieu, ta grâce, Seigneur, ton Dieu grand, ton Dieu merveilleux. Merci pour toute ta merveille dans nous la vie. Merci pour toute ta prodige dans nous la vie. Mais nous t'avons ta grâce d'avance pour provision, miracle, délivrance, réponse, solution. Tu viens réserver pour tes enfants ce soir. Père, mon Dieu, merci pour l'onction. L'onction de guérison, l'onction de délivrance. Je vais carrément confesser que l'onction les brise, man joue. L'onction les brise toute forme d'esclavage. Mais t'as merci, Saint-Esprit de Dieu, ce qui te convient chaque parole qui sortit dans la bouche de ton serviteur. Et pareil, quand te wind sur la bouche, sur la voix pour prêcher ta parole. Ouais, nos oreilles, afin nous capables d'entendre. Ouais, nous les cœurs, afin nous capables de comprendre et croire. De déclarer, nous confesser dans le bon nom de Jésus-Christ Nazareth, qui nous a lisé pour ton clé, les oreilles pour t'entendre. Et les cœurs pour croire et pour comprendre ta parole. Nous voulons toi les guérir, nous mettre la parole de Dieu en pratique. Nous sages, nous bâtir nous la vie sur le roc qui est la parole de Dieu. De déclarer, nous confesser que nous ne pouvons pas terminer la réunion. Pareil qu'on a commencé. Non, on peut terminer la réunion, grandi, changé. Édifié, fortifié, encouragé, guéri, délivré, dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, toi révèle-nous tes sentiments, toi révèle-nous tes l'équerre à travers tes paroles. Nous devons t'amener ta grâce, Seigneur, qu'à travers l'enseignement de tes paroles, nous arrivons à reconnaître et réaliser l'importance qu'il y a à te lire. Nous arrivons à réaliser l'identité en toi, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, toi-même, te tue pour nous, te nous victoire, te nous la source, te nous la joie. Alléluia, à ta grâce, Seigneur. Merci, 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 merci pour tout. Dans le bon nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, il a au tout maintenant. Tu vas voir.
toi, mais la paix se prie comme toi. Mets-moi Jésus, là où tu es bon, le roi des rois, mais la paix se prie comme qui toi, le nom de Jésus. Mets-moi Jésus, là où tu vas nous, le roi des rois, mais la personne est pour qui toi. Mets-moi Jésus, là où tu vas nous, le roi des rois, mais la personne est pour qui toi. Mets-moi Jésus, là où tu vas nous. Seigneur. Et ça va écouter la parole de Dieu, nous fait sa confession là ensemble. Alléluia. Dis à papa, me louer toi, me rends toi grâce. Je te remercie. La grâce te l'accorde-moi pour connaître toi. Merci Jésus pour ton sacrifice. Aujourd'hui, actuellement, me dans le ciel, à la droite de Dieu. Je te remercie. Te finir moi depuis ton royaume. Satan, te mets moi dans ton royaume. La côte me jouir, la victoire, la santé divine et tout ce qui est au royaume, donne-moi. Me déclarer, me confesser, que mon lisier pour trouver clair, mon oreille pour tendre, mon la main pour donner, mon les pieds, les ailes. Pour la présence de Dieu. Mon alléquer pour comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Me déclarer, me confesser que par la grâce de Dieu, mon père grandit dans la connaissance,
de la parole de Dieu. Mon Père, grandis dans la foi. Mon Père, grandis dans l'amour pour la parole de Dieu. Mon Père, grandis dans l'amour pour la présence de Dieu. Et mon Père, grandis dans l'amour fraternel. Me déclarer, me confesser que la révélation de ta parole les libère moi, les rend moi libre, les libère moi de toute forme d'esclavage, les libère moi de l'ignorance. Me déclarer, me confesser qu'à travers l'enseignement de la parole de Dieu, me connaît mon identité et me trouve moi d'après la parole de Dieu. Pareil, comment Dieu le Père les trouve moi. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que ma confession, c'est que l'Éternel est mon refuge, est mon forteresse, mon reste et me demeure en sécurité, en bas sur les ailes. Merci Seigneur, de fin dispose de mon ange pour veiller au moi, pour protéger moi, pour aplanir mon sentier. En Jésus-Christ, mon autorité pour mort, le man serpent, man scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Et n'en n'y pas capable nuire à moi. Aucun la peste, aucun virus, pas capable que j'étais ni en mode écho, ni en mode la case. Parce que mon gain révélation, le nom de Dieu, quand moi invoque-lui, lui réponds-moi. Et les satisfait à moi avec ma longue jour. Heureux, béni, en bonne santé. À toi la gloire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous passons tout de suite à la parole de Dieu. Seigneur, dis béni. Bonjour. Et tout, bonsoir. Ça va? Passez une bonne semaine. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Dieu merci Seigneur. Donne la grâce par cause nous, pour nous connaître toi, de plus en plus. Merci pour une délivrance que nous pouvons recevoir de ta part, Seigneur. Amen. Madame Aurélie Diazot, bonsoir. Et mon cousin passe une bonne semaine. Et je te prie, réécoute mon message pour Edzot. Et je vais partager avec les autres du monde pour chacun profite d'Edzot. Parce que mes messages de délivrance ne pas gagner souvent. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie à cause d'un manque de délivrance. Alors, si nous avons envie de mettre un titre à nous ciser, c'est à cause de banzéant spirituel négatif. Et là, nous retournons dans Nombre 33, verset 55. Alors, Maurice Jésus, bonsoir. Et ceux qui peut connecter pour la première fois, moi je souhaite juste une bienvenue spéciale. Le Seigneur compte en jeu, nous compte en jeu. Je vous demande de continuer de prier pour nous, parce que la vie est prier les uns pour les autres. Nombre chapitre 33. La Bible montre que le pays, que bon Dieu a envoyé le peuple, c'est un pays qui bon Dieu finit pour mettre Abraham. Bon, pas pour réviser nous là. Mais ces autres bien réécoute mes sarza pour ça qu'a dit Dieu. Et la Bible dit moi Dieu t'a averti le peuple dans Nombre 33 verset 55. Il dit si je t'ai pas sache depuis devant je ban habitant du pays, ban habitant que je vous laisser, ça ban habitant là ban zéan là, je beaucoup moi ban zépine dans je léger. Et ben aiguillon, un autre place dire comment dire ben fouette. Et il dit ça mon habitant là, mon géant là pour venir ban l'ennemi dans le pays que tu pour établir je. Alors le falamon que je te ban canané, moi pour revin l'eau là. Ils ont dit moi pour que je te ban étien. Ça non là mentionné dans Deutéronome chapitre 7 et ben c'est premier. Il dit quand l'Éternel, ton Dieu, pouvait entrer dans le pays qui te prend possession et qui te chasse devant toi, ban nation, qui s'appelle ban nation, ça ban Étien, ban Guergazien, ban Amoréen, ban Cananéen, ban Phérésien, ban Zébien,
les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Bon, Jésus comprend qui. Mon Jésus comprend qui. Mon canonnier représente mon esprit immoralité. Concernant mon Étienne maintenant, mon Jésus comprend qui. Même vivre dans la crainte, il y a un péché. Maintenant, tout péché qui je peux pratiquer, les cas peut-être je ne peux pas pratiquer volontairement, pas connaît, mais tout péché ou bien tout l'habitude qui est dans la vie, qui est un péché, il y a une forme d'esclavage. Et la Bible montre moi qu'il y a un péché, dans la forme d'une mauvaise habitude, il y a une force surnaturelle, il y a une puissance qui est plus fort et plus grand qu'un homme naturel. Et c'est mon gloire à Dieu, dans Romains 6, 14, qui dit à nous comme ça, quand nous croyons en Jésus, le péché vient à pouvoir le nom. Amen. Ni le péché, ni conséquence du péché. Je veux dire, ni le péché, et tout ce qui vient avec le péché, il vient à pouvoir dans nous la vie. En gros, nos grandes responsabilités, c'est nous devons tout le temps garder une communion bien proche avec le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'il y en a certaines habitudes, il y en a certaines habitudes qu'il ne faut pas divines, comment dire, les ensemencer dans la vie. En anglais, c'est le mot ingrained. Alors, nos responsabilités, c'est nous devons garder nos communions avec Jésus. Parce que tout dans l'habitude qui appelle péché, il y a un zéant dans la vie parce qu'il peut dominer nous. Et la Bible dit qu'il s'abîme tellement disparaître qu'il arrive un moment, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose là, il ne faut pas que ça m'en péché, il y a un zéant dans la vie, nous a déraciné à tel point qu'il n'est pas retourné dans la vie. Les hommes qui nous ont, c'est l'épée de l'esprit contre tout dans zéant. Les hommes qui David tient, c'est le nom de l'Éternel contre Goliath. Veut dire, nous la force, c'est quand nous comprenons nos responsabilités pour nous, comment dire, place-nous la foi. L'eau Jésus et nous déboute de la parole de Dieu, nous pas laisse-nous effrayer, comme ça 10 espions qui s'est effrayé quand ça explose le pays de Canaan là. Qui fait parce que la Bible dit à moi, Éphésiens 3, verset 20, Dieu qui dans moi, qui agit dans moi, il a fait quelque chose infiniment, beaucoup plus que mon cœur pensé, imaginé. Amen. Et la Bible dit aussi dans Zacharie 4, verset 6, ni pas par la force humaine, ni par l'intelligence humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, qui veut dire, qui l'est représenté, man Étienne? Alors, ça, vous demandez, écoute bien attentivement, sans distraction. Parce que les démons qui ont empêché de se concentrer pour ne pas délivrer. On n'a pas les sous-enfants dans le distère, là, parce que là, il y a un peu autant là. On a envie de délivrer. Mais tout la mélodie, on dit au nom de Jésus-Christ, quitte-moi l'esprit de distraction, tu n'as pas retourné encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, allô. Le mot Étienne, quand nous examinons ce. Je t'appelle ça étymologie, quand nous examinons le racine ce mot. Le mot Étienne veut dire. Un qui ken li finit terrifié, terrorisé, li peur, li brisé. Ouais, tout cela, la fosse finit, li casse, li brisé à cause de la crainte. Ou bien li transporté, la crainte paralysée. Dans le sens qu'on prend les affaires, c'est qui, il paraît que Dieu est un ministre de l'évangile. Le diable, si il y en a un agent. Vous êtes la Bible dans. Et un petit coup là. Hein? Vous êtes la Bible dans. Psaume 18, verset 34. Le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nombre. Avec qui on dit là? Psaume 18, verset 34. Nous, qui est un coup là. Hein?
merci Seigneur. Bon. Alors, le diable, il fin donne certainement l'esprit, ban principauté, ban prince parmi ban démon. Moi, j'ai un homme faux. Un annonce l'esprit, la crainte, parce que la Bible mentionne ça clairement, l'esprit, la crainte. La Bible montre moi que la parole de Dieu, c'est nous hommes. La foi en Jésus, c'est nous hommes. Le nom de Jésus, c'est nous hommes. Faites en tout temps toutes sortes de prières par le Saint-Esprit, c'est nous hommes. Mais le psalmiste vous dit dans Somme 18, verset 34, Dieu exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'orgue des reins. Alors, qui roule sa zéant Étienne là, qui se roule ça, qui se roule? Ce rôle, mon frère, mon sœur, c'est bon, la crainte, communique la crainte, ministère la crainte, dans lesquels mon dieu dit pour détruire toute la vie. Pour détruire toute la foi dans bon Dieu, détruire toute la foi dans la parole de Dieu et pour rendre l'homme esclave. Alors, c'est qui? C'est ce qui n'arrive à Adam. Première affaire qui n'arrive pas dans ce qu'il y a une peur. Et la Bible montre moi que ça l'esprit de la crainte là, il fait périr presque 1500 personnes qui sortent de l'esclavage d'Égypte, mais ils ont mort dans le désert, sans qu'ils aient qu'à goûter toute une bénédiction qui est réservée pour eux dans le pays de Canaan. Là qu'il est là. Dieu vous dit dans Josué 23, verset 13. Josué vous dit à eux, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, n'est pas pour continuer sa bande nationale devant eux, Dieu de bizarre fait, parce que sa bande nationale vous vient filer une pièce, une fouette dans votre côté, une zépine dans votre désir. Ça veut périr, veut périr. Le but de ça, l'esprit de la crainte, a fini de la foi pour qu'il te mourre. N'a pas été un petit la crainte à la lisière. Et là, ce qui est intéressant, mon frère, mon sœur, c'est que la Bible montre moi que quand nous lisons dans Nombre, chapitre 9, dans Nombre, chapitre 9, nous voulons plutôt sur non, Deutéronome, plutôt, hein, chapitre 1er, verset 28. Il y a une affaire, mon vieux, explique, il prend le temps pour expliquer, parce qu'il me comprend, moi. Mais vous avez mis dans votre pot. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans Deutéronome 1, verset 28? Josué vous dit, maintenant vous dire, quand nous vous montez, nous, mon frère, faites nous décourager. Dans ça bien là. Et comment je ne fais nous décourager, je ne dis, ça m'en dit en là, c'est un peuple plus grand et je taille plus haut que nous. Je te la vie les grands fortifiés, ce qu'a laissé l'exagération, hein? Et nous finissons même tous nos enfants dans l'acte. Bon. Verset, Deutéronome 9, verset 2. Il cause un peuple grand et de haute taille, les enfants d'un acte qui te connaissent et dont on entend dire, si ça n'a pas qu'à tenir contre Dieu, dit, mais répète ce qui s'abandonne, dit ce qu'on aime dire. Et pour tirer la crainte dans cette lecture, il n'y a pas oublié que Dieu peut marcher devant toi. Comme un diffé dévorant. C'est lui qui vous détruit sa manzéant là pour humilier les autres devant toi. De vous sans autres, de vous faire autres périr. Maintenant, écoute-moi bien, Stéphane. Quand nous lisons Deutéronome 1, 28, c'est dans 12 espions de Chardé. Et ça, 12 espions là, finit tout sa pays dans ce pays. Quand vous m'avez dans l'abondance. Et ben là, finit besoin de sortir grappe raisin. Le ban, comment on appelle ça? Ban. Ben, dis-moi, débordé, tellement de fruits là, c'est doux. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une paix. Et ben, il transfère ça la crainte là, le tout l'assemblée des enfants de Dieu. Qui fait parce qu'il y a la crainte, il y a l'esprit de la crainte. Il y a l'esprit de la crainte, il y a l'esprit mauvais. Il y a une principauté pour le monde de l'esprit. Il y a affecté toute une nation. Qui veut dire, est-ce que vous avez compris les affaires? L'esprit de crainte qui saisit man là, et il décourage man là, veut dire n'importe qui ça n'a, qui crape cause en haut, qui décourage vous. On peut soit attendre un bon quelque chose pour l'avenir. On peut soit attendre un changement.
autre qu'aucun ou la foi. Au détournement, ça quitte là, sans aucun doute, animé par un esprit mauvais. Je demande, mais qui fait obéir ça? Mais vous dites qui fait parce que je vous lis dans Nombre, chapitre 13. Je dis dans Nombre, chapitre 13. Je vous remarquez que chapitre 14 aussi, pareil. Ne pas vous lire, c'était là, je vous lis la case. Nombre 13, verset 32-33. Il montre moi que Caleb est en sa déception là, puis décourage le peuple. Caleb finit d'intervenir pour ne pas continuer décourage le peuple. Caleb dit comme ça, reste tranquille. Ça m'a dit là, c'était un manger facile pour nous ça. Et puis tard, bon Dieu, pour rendre témoignage, le Caleb, il dit parce que Caleb finit animé par un lutte l'esprit. La Bible pas n'écrit au hasard. C'est un lutte l'esprit différent de ça, l'esprit qui t'anime ça, discussion là, qui anime Caleb pour rebooster toute la foi. Qui veut dire, au lieu d'ouvrir ou l'équerre, aux oreilles, les bouts qui s'en a, qui ont découragé, qui les a fait donner, qui les a fait découragé, une femme prêchée, etc., etc., ça dit mon là, il est animé par un esprit mauvais. Parce que le mot différent, c'est bien une autre espèce. Alors, vous aimez où? Vous aimez choisir pour écouter, juste une bonne parole qui vous transfère la foi dans l'équerre. Et on encourage ou marche dans l'amour avec mon Dieu. À vous même, nous pas qu'à traiter la crainte comme une affaire normale. Vous connaissez qui fait? Parce qu'à la base, la crainte, c'est nature Satan, ça. Amen. Alors, vous réalisez, si vous tolérez dans où l'équerre la crainte, dans les bouts qui font, mais c'est nature Satan. Quand Adam fut séparé de Dieu spirituellement, la crainte rentre dans les guerres. Qui fait une écoute la voix de Satan indirectement à travers ce femme. Ça, moi, les autres comprennent. Alors, n'importe qui du monde qui décourage ou vient l'église, écoute le pasteur, donner, ou bien croire dans des délivrances, je peux comprendre. Ça m'a dit, un élément d'esprit mauvais, ou bien un discernement, ou par contre la Bible. Et là, le problème. Alors, ça, maintenant, c'est vous mettez une boule qui a sauté un sapsi. Je suis là, avec moi, mon père, yo-yo. Résistez-moi. Mais c'est, le choix est pour nous. Le choix est pour nous. Alors, ça, c'est un passage qui nous dit, Caleb, là, c'est Nombre 14, verset 24, ça. Nombre 14, verset 24. Bon. Bon, on va continuer. Merci, Seigneur. Et nous, tout ça, répéter aussi dans Josué 14, verset 8 à 9. Voilà, bon, Esther. Tellement bien, hein, n'a pas accepté la crainte, c'est natier Satan, ça. La foi, l'encouragement, c'est natier bon Dieu. Alors, n'importe qui du monde qui encourage ou vient l'église. N'importe qui du monde décourage ou vient l'église. Décourage ou attend nos guérisons. Décourage ou attend l'avenir meilleur. Ça dit, mon là, animé par une lutte l'esprit, en dehors l'esprit, la foi. Je t'en dis que mon Dieu, là. À cause de la parole de Dieu, là. Au besoin, ça m'a dit, mon là. Au besoin qu'on médite dans cette place. Comment on va faire manger? Alors, le choix est pour nous. Soit nous permettre la foi opérer dans nous la vie, ou ça nous permettre la crainte, règne le ou l'âme. Parce qu'il n'est pas de qui ça fait, n'est pas de qui ça fait qui vous dirige tout l'équerre, qui vous contrôle toute la vie. À cause de ça, il dit veille l'autre lesquels plus qu'il tout quelque chose. On n'a pas écouté Bandi Moun. Connaît parfois, on prend un verset de la Bible, par-ci, par-là, où les cas fait séparer de Jodi. Il est fausse, ça. Il est spirituellement fausse. Moi, pour un exemple, ou pas capable de dire, je suis capable de permettre certaines Dimoun dans mon équerre. Mais pas bien mettre dans mon la vie, il est fausse. Dimoun, il rentre dans tout l'équerre. Il rentre dans toute la vie. Parce que tout l'équerre, c'est ça même l'apôtre de la vie. Sinon, la Bible, pas si vous dites, veille l'autre lesquels, puisqu'il trouve quelque chose. Alors, si vous tolérez une parole de découragement, la crainte dans lesquels, la crainte vous contrôle toute la vie. Vous avez compris, mon Dieu? Qui fait? Parce que la crainte, c'est malheureusement la foi dans le diable. Mais la foi, c'est confiance dans mon Dieu. Parce que la crainte vient de destructer. Alors, ça même,
La crainte dit qu'à parler automatiquement, tu besoin repousse la crainte avec promesse, mon Dieu. Mais n'a pas oublié qu'il m'a dit de nous pouvoir, mange le bon serpent, le bon scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi et n'a rien pas capable de nuire nous. Qui m'a dit là, n'a rien pas capable de nuire nous. Ça se dit là? Ça se dit là? On applaudit le Seigneur. Alléluia. La grossesse m'a dit c'est profond là. La crainte. La crainte, c'est pas avec moi un. Il paraît que moi, un zob, il y a plusieurs racines. Il n'y a pas une racine principale, mais il y a plusieurs gros racines. Réponds-moi d'où? Il y a plusieurs gros racines. Mais la crainte, c'est une racine principale qui pousse un démon pour désobéir et pour rébeller contre Dieu et contre l'autorité. Voilà. Bon, tu as d'autres exemples. Qui fait d'après les autres qu'un dire dans. Caïn vous dit dans Genèse 4, verset 14, il dit, voici tout le chassement de cette terre, moi pour cacher loin de ta face, moi pour errant, vagabond, les bouts qui s'en a, trouve-moi, pour tuer moi. Caïn peut pire. Mais David dit, moi, l'amour parfait, bannit la crainte. Amen. Et tellement de raisons qui font, je vous remarquez, il est important qu'il j'aille russe, n'a pas laissé la crainte rentrer dans ce léquier pour se tifier résister. C'est ça que les autres comprennent, la main de frère Mansé. Vous tout ça dans Marc 5, verset 36. Alors, il est important de nous comprendre que ça m'a des mots là. Nous pouvons faire une étude contre eux, un par un. Comment ça m'a l'esprit mauvais là? Un esprit, c'est un safe one, un démon. Un homme faux. Ça m'a l'esprit là opéré pour qu'on reconnaisse si maintenant peut travailler dans lesquels on pense. Ou bien dans lesquels les autres, ça m'a l'esprit là, les autres réels. Et les autres, l'effet dans la vie, Mandimoun, les dévastatrices, Manfermancier. Alors, ça nous besoin de comprendre les autres modus operandi, les autres modes d'opération. Alors, ça, dans ce contexte-là, hein, un Étienne, c'est un esprit mauvais. Ou bien, malheureusement, les bouts qui sont là, qui finissent infectés par ce type l'esprit mauvais là. Parce que le mot « itit » veut dire « fils de terreur ». Et je connais la crainte, terreur, panique, associé avec quelque chose qui nous pas connaît, qui nous pas qu'à trouver naturellement. Ça va beaucoup au niveau imagination. Mais qui fait nous partir plutôt faux dans nos pensées qui bondit avec nous. Bondit contre nous. C'est qui demande plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Ça travaille au niveau imagination. C'est pas de voler, je brûle zélo ou émotion. Je trouve. Et ça, c'est pas l'esprit qui m'a dit mon brûle, nous là. Abraham, c'est dans le pays. La Bible mentionne man cananéen, c'est la manzère. Bon, ça va la mi-temps là. Je suis là, c'est dans les années 50. Dans l'époque de Jésus, je suis là. Moïse, Jésus. Mais qui fait? Parce que ça va dire là, ils ont réussi malheureusement. Parce que le peuple pense ça va dire là. Qui fait? Parce que ça va dire là, c'était un démon qui peut contrôler ou l'avait reconverti. Mais ça va un démon là pour votre restant ou la vie. Vous avez un exemple au bout de nous? Matthieu 12. Qu'un esprit impur, il quitte la vie, un démon, il y allait. Il y a dans Manu Harid, quand il est tourmenté. Manu Harid, ça c'est une place spirituelle ça. Que le démon tout monté. La Bible dit à ça, démon là, dit en lui-même, il pourrait retourner dans sur la case, qui fait pas aussi, il n'a pas envie de quitter. Il appelle ça sur la case, je n'ai pas envie de quitter. Je t'en verrai ça même. Alors, vous tout le monde chrétien qui n'est pas qu'à bien que bon Dieu. Parce que je pas bien ancré, je la vie encore influencée par l'esprit mauvais. Vous dites ce qui vous envie, moi j'ai 40 ans, pas plus que pasteur civil dans le ministère, encore moi j'ai 40 ans, beaucoup d'affaires vous connaissez. Arcosem qui, ou pas car la case est vide, c'est une raison qui vous a rempli du Saint-Esprit. Amen. Terrible ça, mon frère, mon soeur. Maintenant, dans mon réalisation des affaires, qui fait, bon Dieu vous dit, et dans tout ça, on passe à ça, nombre 14, 9. Bon Dieu vous dit, comme ça, pas besoin d'être rebelle,
contre Dieu et pas payer sa man habitant là. N'a pas rébellé contre Dieu, n'a pas payé sa man habitant là. Nombre 14, 9. Deutéronome 3, 22, il vous dit, n'a pas payé bon Dieu pour combattre pour eux. Deutéronome 31, 6, il vous dit, faute, les autres, n'a pas payé. Qui veut dire, n'a pas payé, même dans Jésus 10, 25, qui veut. Bah, frère, ancien, parce que c'est l'esprit, la crainte là, qui t'y opéré à travers sa manzéan là, c'est un esprit territorial. Une autre raison? On peut expliquer là. Un esprit, c'est un faux. Les gars contrôlent une chose. Je demande, mais comment les gars font ça? Explique-moi. Comment se fait-il dans 2 Timothée 1, verset 7? Comment se fait-il dans 2 Timothée 1, verset 7? La Bible montre moi que Timothée s'est attaqué par un esprit de timidité. Maintenant, quand nous examinons l'histoire, d'après l'histoire, Timothée, tu passes à l'église Éphèse. Qui t'y passé dans Éphèse, Actes apôtres 19? C'est qui t'y passé dans Éphèse? C'est qui, mon frère, mon sœur? C'est Nabucco, soit aussi magicien. Et la Bible montre moi quand mon fin converti, mon magicien, soit aussi là, je ne brille tout mon livre magique. La Bible dit moi, l'église est une croissance extraordinaire. Qui fait? Parce que Pauline contrôle l'atmosphère spirituelle là par la puissance du Saint-Esprit. Actes 19, 20. Timidité veut dire la crainte, capon, lâcheté. Il veut dire manque la foi, infidélité. Réaliser. Hein. Qui n'arrive, Timothée? Les pères pour cause d'évangile. Pères pour dire pour les comme Paul. Et je connais beaucoup de man cosmos, cette racine, c'est man la crainte qui peut dominer dans cette âme. Qui remonte à la surface à soi. Les carapés n'ont rien à faire avec un monde naturel, mais c'est des affaires qui sont enracinées dans l'âme, dans le subconscient, dans vos pensées. Il y a beaucoup de monde, la vie est contrôlée par, moi je dis, l'esprit, la crainte, je donne la crainte quand je donne la sensée. Hein? Claustrophobie. Je pèse araignée. Je pèse l'avenir. Écoute-moi bien. Je pèse l'hygiène. L'hygiène, moi je dis, la crainte maladie, mon frère, mon sœur. Je te perds dans l'or. Je te perds l'avenir, je te perds maladie, je te perds l'épidémie, nous prenons mal de précaution, mais nous pas perdre. Tout cas, c'est la crainte. Je te perds quand ça te miaule, perds quand tu es là, perds les rats. Même des gens qui sont dominés par ça, la crainte, ça, l'esprit, et tiens là. Ils vous rendent témoignage que la crainte provoque une sensation émotionnelle de désespoir, de tourment. Et souvent, de fois, Dimoun là, tellement les pères, ils n'ont pas envie de vivre. Élisée. Mais elle disait, Élie. Il dit, Seigneur, vous même moi. C'est qui m'a l'un fait dans le désir. Il lui donne moi, tu mourras dans les yeux. Et à cause de moi, de ma zone, écoutez sans distraction. Parce que la parole là, il est trop important, mon frère, mon sœur. Il est trop important. Il n'a pas permis de se mentir. On a resté dans la vie. Vous êtes honnête, sincère. Vous n'avez pas permis de vous pour n'en rien. Parce que si vous êtes brutal, vous avez une la crainte qui n'est pas naturelle vis-à-vis au papa. Vis-à-vis un voisin. Ou bien vous avez la crainte en tout temps, vous sentez vous menacé. Sentir c'est une menace, je vais comprendre. La crainte maladie. Bon. Alors, si un démon qui est dominé par la crainte, il a différents degrés de la crainte, pas tout pareil nécessairement, différents degrés. Un démon qui est dominé par la crainte, souvent, de fois, il peut dominer par une tristesse, pour faire une dépression. Et vous, quand lié dans la figure du monde là qui. Vous connaissez, même si Dimoun a une photo, vous liez de son regard, qui est dans le désespoir. Dimoun a triste, il est trop clair, qui veut, parce qu'il est guetté, mais son regard est un regard perdu. Nous parlons un moment. Borosana mana, parlons un moment, frère, mon sœur, tout la mêlée au fond, parlons langue, pour vous-même là, parlons langue. Borongana mana. Basana, masana, makoso, boson, guru. Pour toute la gloire, Jésus. De la gloire. Alléluia, alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, là, on va être attaqué par un étien spirituel. Vous rappelez l'enfer, ma sœur? Comment un jour, tu priais pour un kiken? Kiken, non, mon col est assez grand. Je me rappelle, mais c'est moi, je viens de prier pour beaucoup de monde dans la vie. Beaucoup de monde qui nous prier. Je me rappelle un jour, tu es dans le kiken, tu viens de délivrer dans l'esprit de la crainte. Donc, uniquement l'esprit de la crainte, là, tu rentres dans le lit. Tu rentres dans le lit quand? Et c'est dans le passage sur maman pour vivre au monde. Là. Les enfants, là, à un moment, ils paient. Ils paient. Ils manquent les. Ils sont super dans la fosse. Je peux comment dire ça là? Tu viens de déraciner ça d'esprit de la crainte, si tu rentres dans sa vie, ça débouche là. Dis-moi, guéri de sa problème asthmatique là, de sa problème dans son bronze là, et il t'arrête ronfler. En anglais, c'est wheeze, il t'a arrêté. Mais dis-moi, ou bien dans l'âme, on délivre. Ou l'écho pour prospérer. Quand l'âme a bonne santé, ton sommeil est doux. À soi, qui m'ont dit, donne-toi, sommeil comme un cadeau. À cause de ça, je comprends les affaires. Qui fait des autres bonnes pensées, parce que Satan travaille au niveau pensée. La crainte divine au niveau pensée, nous trouvons dans 2 Corinthiens 11, verset 3, Jean 13, verset 2, je trouvais, au niveau pensée. Mais nous avons moins d'affaires qui, quand nous lisons la Bible, quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous mentionnons la grâce est associée avec la liberté, freedom. Et la grâce est associée avec l'intimité. Si un dimon dit, il goûte la grâce de Dieu vraiment dans une grande mesure, ça dit, mon âme pour sentir il y a une belle liberté. Il ne va pas vivre dans la crainte, parce qu'il connaît bon Dieu comme on t'en dit. Et il commence dans l'amour, parce qu'il a l'amour parfait, mais il n'a pas la crainte. Et pas dit ça. La grâce, il y a ceci avec l'intimité qui fait, parce que quand la Bible pour cause, on a un proverbe 3. Pas parce qu'on a un proverbe 3, on a un proverbe 3, là, on ne connaît pas. Vous avez un petit coup, est-ce qu'on a un proverbe 3? Oui, on a un proverbe 3, ok. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 32, Dieu l'Éternel il a horreur les hommes perverses, mais Dieu est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Bon, ok. Maintenant, écoute-moi bien, Esther. Quand nous lisons dans notre contexte, nous pouvons associer sa passage-là avec Hébreux 4, verset 16, et dis-nous, appose-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Pour nous obtenir miséricorde et nous trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous connaissez ça verset là? Il n'est pas bien qu'on existe à poursuivre de Dieu pour qu'il y ait un secours. Là, quand nous besoin de secours, non. Et bon, ça veut dire 4 verset 16, parce que bon Dieu nous fait nous la grâce. Dieu fait la grâce à ceux qui soumettent à Dieu, qui comptent en lui. Mais là, sa parole, Hébreux 4 verset 16, dit beaucoup plus qu'il y a une phrase. Il n'est pas une phrase normale, ça. C'est une invitation qui bon Dieu peut demander nous pour rentrer qu'une l'assurance dans sa présence qui fait parce que bon Dieu peut de nous accès à travers sur la grâce pour nous donner l'intimité que bon Dieu. Parce que si tu peux donner l'intimité, tu manques l'assurance. Si tu n'as pas posé qu'un dimon, c'est un ton cas demandé. Tu peux hésiter. C'est un dimon qui n'a pas posé que je ne peux pas hésiter pour demander papa l'action, ça passe pas au moment là. Je te comprends? Mais mes enfants qui sont bien habitués que je papa, je t'ai demandé habitué, intime, je t'habille. Alléluia. Un bon habit. Je peux suivre moi bien là? Amen. Il travaille, hein? Alléluia. Alors, c'est la crainte de nous, c'est la crainte de Dieu. Amen. Qui était ça, la crainte de Dieu? C'est un respect pour mon Dieu. Amen. C'est ce qu'ils avaient de nous, là. Respect pour mon Dieu. Respect. Et dans ça, la crainte-là, ça c'est respect, ça. Qui fait parce que moi, un enfant de Dieu, moi, un héritier légal pour un héritage financier, fiscal, monétaire, matériel. Vous connaissez qui l'ennemi vaincu. Mais l'ennemi, c'est moi, il est tout le temps dans tout, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Qui fait pour faire vous dérailler, sortir en dehors le but. Je ne comprends pas pour pas efficace pour bon Dieu. À cause de ça même, à cause de ça, il n'est pas associé. L'esprit, la crainte avec un esprit qui appelle l'esprit de servitude. Romains 8, verset 15. Il dit, nous pas nous recevoir un esprit de servitude pour nous rester encore dans la crainte. Parce qu'il a crainte en tant qu'esclave, mais nous recevons l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier, mon doux papa, mon cher papa. Alléluia. Ben, Macédonien, tu goûtes la grâce, mon Dieu.
À cause de ça, la joie qui débordait dans eux, ce qui donne plus qu'il besoin, qui fait partie d'aucun sentiment de culpabilité, aucun sentiment de condamnation. Vous trouvez? Alors ça, il faut dépendre dans la crainte des hommes. Non. Mais dans la crainte des hommes, ou pas les dire, ou pire. Ou pire, vous dire, dis-moi, nous mort sans Jésus, parce que ou pire, attention, ou pire, dit camarade. Ou pire, attention, camarade là, boudé. Ou pire, attention, aux enfants boudés. Vous écoutez, mon Dieu. Ou pire, attention, ou pire, dit certains camarades qui. Pas comprendre moi. Ou bien, même si vous êtes pasteur, vous êtes parti à vous dire la vérité dans l'amour. Amen, amen. D'abord, un esclave. Et une bonne raison que je discute la dîme, c'est parce que je prédicate une condamne. Et que la dîme, je veux dire, je ne te pardonne la dîme, mon Dieu, mon Dieu, non, il n'est pas vrai. Mais si dis-moi, il y a une révélation de la dîme, je connais qui mon Dieu, quand il n'est pas vu dans la dîme, il n'est pas vu dans la dîme, il vous donne tout. Alors, c'est de donner avec joie, je trouvais. Alors que c'est la Bible, le juste, il ne faut pas lui faire aucune mauvaise nouvelle. Alors, moi, je ne veux bien, mon frère, mon Dieu. Le diable, il n'a aucun pouvoir dans les potes qui sont là, qui ne donnent de nouveau. Alors, si j'ai dû dire que ça qui triomphe du monde de Satan, c'est celui qui naît de nouveau. C'est celui qui déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a la foi en Jésus-Christ. Vous trouvez? Les pénins n'ont aucun pouvoir, mais seulement à moi ce qui vous donne le pouvoir. Mais il y en a trois qui sont qui nous ont pour le faire. Il y a pour le séduire où? Il y a pour le acquis où? Il y a pour le temps tout. Donc, ça, vous avez une connaissance profonde de la parole de Dieu. Hein? C'est ça. Je connais mon frère, mon sœur. Je me convertis parce qu'il me tient qui est sa police à cause de 180 utopies. Je passe encore la voie de la délivrance. Je suis encore dans les assemblées de Dieu. Je ne pratique pas l'enseignement profond parce qu'il n'a plus beaucoup de messages d'évangélisation à l'époque-là. Mais je connais mon frère, mon sœur. Je suis un chrétien découragement. Un chrétien découragement. Mais je ne pas laisser moi être découragé. Bon Dieu, ce miséricorde, c'est révélé en Romains 8, verset 1er. Puis n'a aucun compte dans la soupe pour ce qui est en Jésus-Christ. Bon, frère, mon sœur, mon refuse la crainte dans mon cœur. Mon tini ferme de la foi. Vous venez faire parce que ceux qui espèrent en Dieu, jamais déconcerté. Jamais déconcerté. Et en tout cas, la crainte, c'est un autre problème encore. Rien de longtemps, chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur battait. Ah ben, mon cœur était battu. Hein? Comment on des autres là? Comment dire? Ton père, il faut une personne qui est pourtant des mauvais là. C'est un peu qu'à comprendre ce que je peux dire là. Hein? Au téléphone sonner, au portable sonner, je vais dire, les qui battent à normal, je vais dire, ou vous pète en cette mauvaise nouvelle. Ou bien un esclavage. Ou bien, si un quelqu'un dit, moi, bien, moi, j'ai fait budget, tout commence, poc, poc. Qui vous dit, moi, je me suis dit, que ça, déjà, figure sur madame. Pour lui capable tranquille rentre la crasse, mais qui te pègue ça? Les frères, comment ils pouvaient dire figuration, madame, rentre la crasse? Il y a moyen de faute, il y a moyen de figuration. C'est pas bon. Là, nous laisse l'expression figuer, man, du monde effrayou. Mon con banca comme ça. Quand tout du monde peut rire, peut danser ce figuier sec. Il y a un masque de ce figuier. Et là, c'était où les sous effrayés par l'expression de ce figuier? J'ai l'impression que je m'appelle contre un message là. Attention, mon frère, ma soeur. La crainte des hommes, il t'en a une pièce, la Bible dit à moi. Ça, bien, bien. Vous connaissez un esprit mauvais. Ça serait la crainte là, il est provoqué par un esprit, il l'esprit d'Isabelle. Même l'esprit qui t'y fait, il est sauvé. Bon. Alors, est-ce qu'il voulait qu'elle tremble, ça croit téléphone sonner ou ça au portable sonner? Hein? Est-ce que chaque fois qu'un facteur est venu klaxonner contre moi, ça dit moi ou l'entourage, ou peut payer attention à faire la cour rentrée, ou bien un billet peut venir qui saute du doigt à la banque, pas connais-moi. Est-ce qu'il vous paye quand il y a un policier là aussi, mais hein? Il n'est pas bon. Alors ça ne veut pas vous créer la crainte dans l'équipe de nos enfants. Est-ce qu'il vous paye attention à faillir, ou paye attention à gagner un travail, ou paye à l'avenir, ou bien refuser. Parce que la Bible demande moi, renverse ma pensée, ma imagination, qui est liée contre la connaissance de Dieu, des Corinthiens 10, 4. Et ça, on le comprend. Au départ, maintenant, tout dit, moi, on est tenté, mais au pas accepter penser là, pour repousser. Alors, ça, on dit, ce qui m'en disait là, c'est qui domine nos générations pendant longtemps,
les bourreaux de résidence de génération, vous avez Dieu de haut. Vous invitez le Saint-Esprit contre les générations. Parce qu'il ben a envie d'être un compagnon, pas de ce qu'il y a des compagnons là. Alors, c'est qu'il m'en de nous ce parole et ce puissance contre toute l'attaque de l'ennemi. Mais vous allez continuer à résister lui avec la parole de Dieu, ce qu'il a dit sur lui. Vous retrouvez? Il fait lui comprendre clairement qu'il n'est pas le bienvenu ou pas accepter tout mentir ou tout mentir. Satan tout mentir quand on cause la parole de Dieu contre lui. Il y a 10 mal, je vais mentir. Vous voyez, vous acceptez l'esprit de la crainte, un démon, ça. Vous voyez, vous vivre dans la crainte. La Bible demande à Romains 5, 5, ne pas vivre dans la crainte, nous vivre dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, faire bon Dieu confiance, ou une finance, retrouvez. Faire bon Dieu confiance, si vous dites, dans n'importe quelle situation. Parce que ça, l'esprit étient là, ça, l'esprit de la crainte, là, les bourreaux piègent mentalement. Allez, vous bombardez de pensées, mais de pensées négatives. Prends le temps d'étudier la parole de Dieu. Laisse tes pensées tremper dans la parole de Dieu. Qui fait? Alors, c'est la Bible pour dire moi. Mon besoin, résume-moi. Quand on est persécuté, résume-nous. Au besoin, tout le temps, homme, ça, dans vos pensées, au besoin de dire ça au même. Pour prendre un exemple, des rois 6, 16. Élisée vous dit ce serviteur. Ceux qui sont avec nous, je t'en plus grand nombre que ceux qui te peuvent trouver. Vous connaissez quand c'est ancien, non? Au consent présence de l'annonce, mon frère. Et dans le monde du monde, littéralement, il trouve l'annonce. Vous pouvez rappeler le témoignage de sa frère Bob d'Azula. Ferraille Pétom Lodi, depuis d'un hôtel, ça d'un gru, crine. Il n'est pas connu, ni. Centre quantique, un coup d'une fraction de seconde, il est un ange puissant et qui n'avance tout ça, ta ferraille là. Bon Dieu, protège pas qu'il n'y a rien. Un lame pour Jésus. Bien. L'année dernière, non? L'année dernière, ça. Ne pas oublier qu'il est dans des rois 6, verset 16. Il n'a plus beaucoup 11 autour de nous, Manfred. Ne pas oublier dans 1 Jean 4, verset 4, qui dit hein, celui qui est en moi n'est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne pas oublier ça. Ne pas oublier Éphésiens 3, 20, qui Dieu qui est dans moi, par sa puissance qui agit dans moi constamment, les fait infiniment plus qu'il m'a demandé, penser. Et il ne faudrait pas oublier aussi qu'il bon Dieu nous dit fait dévorant. Dieu y a un feu dévorant, mon frère, mon sœur. Alors, maintenant, on va aller plus loin. La crainte, il y a 40 plusieurs façons. Alors, c'est un peu moi bien, mon Dieu. Certains, parce qu'il y a un accès dans la vie, Job sans la crainte. Job 3, 25. Il y a ce qui lui plaît, c'est même qui n'est arrivé. Dis avec moi, la foi vers l'apôtre à Dieu. Parce qu'il m'a accès à toute bonne bénédiction. Pour la foi. Mais la Bible montre moi dans Job 3, 25, Satan, tu n'as accès dans la vie, Satan, dans la vie. Job pour la crainte. C'est un mot de l'autre affaire, c'est-à-dire. Une affaire qui, comment dire, paraît moderne. Il paraît à la mode. La jalousie. Est-ce que vous connaissez que la jalousie est motivée par la crainte? Réponds-moi de haut. Mais tu connais? Tu n'as pas une tentation, mais tu n'as pas tombé là-dedans. Nous sommes en 91. Bon Dieu, promet nous protéger nous côté votre qui maladie, nous protéger nous les autres escortes. Nous, les pieds n'ont pas beaucoup connu. Mais, tu connais la jalousie maintenant? La jalousie est motivée par la crainte. Puis attention, Marie-là contre un autre. Il est quand même dans la case. Elle pensait que papa là préfère un qui l'autre. Ce n'est pas le cas. Et la Bible montre que la jalousie est un esprit. La Bible montre dans. Je ne sais pas ça, c'est moins de seconde ensuite. Hein? Dans Nombre, ça. Pourquoi non, même ça, me redit un coup là. Bon, écoutez, t'es pas tout dit. Mon autre type, là. Il montre moi qu'ici, une madame, ou bien une monsieur, lui, animé par l'esprit de jalousie. C'est ça qu'il dit. Il y a un soupçon. Il cause un esprit de jalousie. La jalousie, lui, animée parce qu'il y a un esprit de la crainte. Maintenant, un dimon, il n'est pas payé à ce coup-là. Il n'est pas payé à jalousie les autres dimons. Ça va, ça fait là, existe. Nous brisons au nom de Jésus, mais nous pas payé à lui. Ne pas perdre la prière de l'âme, ne pas perdre la sorcellerie,
Nous pas payer les qui nous pas payer ces bonnes affaires là. Non. Qui fait? Parce que celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'il a crainte pour faire une carrière dans la vie Bandimon? Comment dire? Comment dire? L'esprit la crainte de carrière dans la vie Bandimon à travers, depuis naissance, depuis dans le ventre de ce maman. Si ce maman, je ne prends beaucoup de temps qui est dans le film père. Vous avez compris? Dans le film toi et la zone, dans le film père Dracula. Dans le film La Crainte, Dracula, ou bien je n'écoute pas d'histoire. Mes enfants là, ils peuvent absorber cette atmosphère là, dans la vente. Alors, il ne faut pas vous raconter d'histoire, il ne faut pas être en famille, get dans le film père. Parce qu'il y a un esprit mauvais qui fait ça. Il est 40 maintenant, l'esprit de la crainte, entre les bonnes affaires qui vous trouvez, vous entendez. Ou quand tu as un accident, tu as un coup de frein faux, ou vient de la faute. La crainte est garantie parce qu'il y a quelqu'un qui fait menace ou bien quelqu'un qui fait intimider ou quelqu'un qui a une mauvaise autorité là-haut. La Bible montre dans Actes des Apôtres 4, verset 21 et 29, comment ben, tu menaces ben, par cause non Jésus, mais qui l'a prié de faire. Seigneur, vois leur menace, donne-nous l'assurance, prête ta parole. Pour un amant signe, ben, produit ben, miracle. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Yeah. Vous trouvez? Mais beaucoup, ben, la crainte d'hérédité, vous avez fait mal à la peau pour la repentance et renoncement. Nous avons fait tout pour celui qui fortifie nous. Mais quand nous restons dans la présence, nous absorbons nous dans la parole de Dieu, nous passons le temps que le Seigneur nous reste dans la louange, ça l'atmosphère là, ça amène des mots la crainte qui vient là. D'ailleurs, pas qu'à cause de tout. Il n'y a pas beaucoup de parole. Qui fait partie bon Dieu, pas pour faire rien. N'a pas oublié qu'ils ont dit, mon père appelle Zodi, un jour, Joseph est en prison, un autre jour, il est côté Pharaon, premier ministre. Ou une volonté pour réfléchir à Zachary. Ou une volonté, mon frère, pour réfléchir à Zachary. Il y a certains qui ont pour miser plus ancienne nausée. Parce que l'esprit là n'a pas qu'à rester. Au sein de ce qui sont, on va dire monter une nausée parce que mon abyssin n'est pas qu'à raison de la vie. Et dans ma vie, je te paie maladie. Maladie, accident. Beaucoup m'ont dit, je ne prends pas de licence. À cause de paie. Ils ont gagné 6 permis hier. Tu n'as pas qu'à conduire dans toute l'île Maurice. C'est ça, hier, avant de faire ça. Paie. 4-5 fois, aller qui fait de paie, paniquer. Quand la Bible dit, moi, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Il faut besoin de calme. Parce que si vous ne pouvez pas prendre, faire un test ou bébé, vous pouvez transférer ça à la crainte de ça, d'ici là aussi. Et vous pouvez vous mettre à la licence là. Je ne comprends pas, pasteur. Parce qu'il est contagieux ça. Dieu, si vous ne faites un nation, père. La crainte maladie, accident, la crainte noire, la crainte certaine race du monde, mais vous avez une volonté. Alors vous savez, veillez à qui vous expose vous-même. Mais au bizin, attention que bon Dieu. Contre la crainte, c'est la foi. La foi vient quand on écoute la parole de Dieu continuellement. La Bible demande à 1 Corinthiens 6, 17. C'est lui qui attaché au Seigneur, il vient seul avec le Seigneur. C'est ça. Maintenant, qui fait vous des autres ceux-là? Parce que, bonne femme, c'est un mot pas plus loin. Si vous êtes qui ken, bon, moi je descends mal, je vous ai dit pour vous. Vous connaissez qui sa maladie quand c'est là et causez vraiment l'esprit de la crainte? Et mon esprit de la crainte, c'est mon esprit qui perd. Provoqué par ça. Mais vous déracinez l'esprit de la crainte, ou bien qui serait tout normal. Et où qui fait au pauvre diagnostic au nom de Jésus-Christ selon la parole de Dieu? Bon. Là, parce que d'ici, je vais terminer parce que j'ai envie de nous dire, mon frère, mon soeur. Au pas cas de nion débout. Je vais vous dire que je vais vous dire que je fais coloriage à l'école maternelle. Je vais vous dire ça. Merci, pasteur. De rien. Moi, je vais répondre. Moi, je vais dire merci, pasteur. Pasteur répond de rien. Fais ça parce que je vais vous dire.
Bon, n'a pas tête la crainte à la désir. Un l'esprit mauvais, il quand même influence une nation parce qu'il y a une principauté. Il paraît que moi, dans 1 roi 22-22, la Bible montre moi, un l'esprit mensonge, tu donnes la bouche plusieurs fausses prophètes. 1 roi 22-22. Maintenant, écoute-moi bien, Esther. Qui la craint si vous ne pas mettre l'idéo? Qui banne l'effet secondaire ou bien qui banne les autres mauvais esprits pour mettre dans la vie? Parce que, imagine bien, le procédé de Garat tient la lésion dans lui. Matthieu 12, amène cet esprit plus mauvais. Écoute-moi, Esther. Bon, nous autres, on passe à notre lit. Par exemple, l'esprit la crainte, l'esprit la crainte pour amener l'autre l'esprit dans la vie, l'esprit jalousie et l'esprit soupçon. Nombre 5, verset 14 et 30. L'esprit la crainte, il propose rébellion dans la vie, conduite contre l'autorité et désobéissance, Deutéronome 9, verset 23. Banane mot, à coup de la crainte. La crainte pour faire ou méprise les promesses de Dieu. Ban bénédiction bon Dieu, par exemple, la dîme. Faire ou méprise bon Dieu, méprise ban bénédiction. Psaume 106, verset 24 et Nombre 14, 11. À coup de la crainte ou père pour donner. Et là, on méprise tout ban bénédiction bon Dieu, sa vie de nous. C'est ça, mon frère ancien. La crainte pour faire ou plaire, pour faire ou pleurer, mais d'un petit dehors, faire ou m'admirer, pour faire ou critique, mon homme de Dieu. Parce qu'il perd dans un autre point ou place. Quand il peut progresser, la crainte qui fait ça. D'ailleurs, pleurer, m'admirer, critiquer, nombre 14, indique 10. La crainte pour amener l'incrédulité malgré ou tout miracle devant au lisier. Nombre 14, 11. Parce que Dieu dit comme ça, je te méprise malgré que je fais tout mon signe, mon prodige, mon miracle. Je te rappelle mon signe, tu perds dans ce mot dans pirogue, Jésus. Pourtant, Jésus là. Jésus n'est pas si content. Ou pas gagner droit père si Jésus est dans la vie. La crainte n'est pas dans l'esprit, au niveau de l'âme. C'est bizarre qui tout pense au nom de Jésus. Ça qui en a besoin de nos esprits faux. Et s'il y a des démons là. Alors, mon bout de manche, écoute bien si vous avez envie de délivrer, mon frère, mon soeur. La crainte. Pour faire au désir l'amour, nombre 14, verset 2. Et vous faire au suicide. Beaucoup de monde suicide parce que je perds. Je perds pour faire face à une situation. Pardon qui figure mon Dieu, dis-moi. La crainte. Les pour faire au décourage les autres dimons. Nombre 14, 1. Et les pour faire au retour dans l'esclavage. Nombre 14, verset 1. La crainte de pouvoir attrister le joli Saint-Esprit. Esaïe 63, verset 10. Et la crainte pour un pays sous, tout bande promesse mon Dieu, une vraie dans la vie, goutte zot, Deutéronome 1er, verset 35 à 36. Mais si un dimon peut cause découragement, vous mettez un coup de groupe là, vous allez, trouvez ma vie, mon Dieu. Vous avez beaucoup d'oreilles. A Goussem, n'a pas de toute prédication. Qui est dans le Facebook, qu'on soit ce qui vous est doux. Et on a dit, on peut faire au paix à la fin du monde. L'évangile, vous êtes pressé partout. Et on a dit, on peut faire au paix pour donner le fond dans l'église que le pasteur là, correct. Mon père, que je pasteur là. Vous ne comprenez pas? Hein? Faire au paix pour sortir, etc., etc. Parce qu'il y a même transféré un mauvais esprit. Mais qui m'a besoin de faire, mon frère, ma soeur? Vous avez besoin de découvrir les générationnels. Vous avez besoin de mettre la repentance, c'est ou fermer la porte pour qu'il rentre. Et pour laisser mon Dieu délivrer vous. Et vous avez tous les jours confesse parole, mon Dieu. C'est avec moi, communier avec mon Dieu, confesse la parole de Dieu. Romains 10, 10. Je crois dans mon équipe, mon Dieu, avec mon la bouche. Bon. Maintenant, qui m'a besoin de faire? Mauvais autres peut dans la prière. Mais c'est moi quand mon peut prier pour eux, ou pas par leur langue. Vous avez écouté la prière pour la prière capable et tout. Parce que qui fait, si des mondes ont envie de sortir ou par leur langue, ou parler en langue pour bousse, pour bloquer ça la porte, pour ne pas sortir. Tellement bien, il n'y a pas qu'à franchir sa parole en langue là. Il y a besoin de s'y aller.
Tandis que mon Dieu est là. Hurasanama. Sakapala makolo sokonto. Sokontana magiana magazana makalapakanta kosogondoko. Hutakanama santala. La crainte, il y a une crainte hypnotisme. Et un cathé cobra qui dit paralyse un oiseau par son rigor. Au sein de la Bible, cause beaucoup le ban de l'aspic, ban cobra l'Égypte. Allô, comment on peut prier pour vous? Vous ne pas parler en langue. Pour ce démon-là sorti, vous mettez l'idée au nom de Jésus. Après, nous prier pour vous, rempli de Dieu. D'accord? Allô, bien merci. Nous sentons un cantique avant. L'onction de Jésus, le seul amour. Dieu merci Seigneur pour sa parole, vous entendez là. Dieu ça faut aux enfants, on ouvre mon équerre pour recevoir sa parole là. Vous connaissez, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont une faillite dans l'aventure qu'ils ont. Comment c'est ça sentimental? Pas de l'aventure, mais. Hein? À cause de ma déception dans le passé. Pourquoi on m'a dit avant qu'on ait fait la vie? C'est pas le cas. Il y a des gens qui ont peur, attention, on m'a dit qu'ils sont malades. Pas faire ça. Non, je vais lancer. Merci, si. Dès que vous comprenez là. Dès que vous comprenez là. Plus faux garçon. Voilà. Ouais. T'en es là. Ok. Dieu merci Seigneur pour sa parole là. Merci Seigneur pour sa parole là. Allez, l'onction de Jésus. Sans plus de l'équerre maintenant. Évite distraction, hein. Évite distraction. Le sang de Jésus, sans qu'il faut. Tu remplis mon cœur, tu remplis ma vie. Le sang de l'onction de Jésus, l'onction de qui nous fait santé. Qui nous fait aller? Laissez aller au nom de Jésus. Laissez sortir. Laissez sortir. Alléluia. Gardez la mêlée au ventre. Hein? Tu es le sauveur de mon âme. Tu es le sauveur. Mon âme, moi, si vous la crainte. Encore une fois. Tu es le sauveur de mon âme. Jésus. Merci Jésus. Tu es le seul. Mais je t'amène le jeu de ventre, enfin là, 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 là. Pas le ventre, mais là, là. Ok? Écoute, mon ami, t'es là? Là. Dieu Seigneur Saint-Esprit, merci pour toute la grâce dans mon avis. Maintenant, si vous sentiez la force, on peut se répéter la prière, force et faire dit. Vous avez une volonté, d'accord? Dieu merci Saint-Esprit, te aide-moi. Te balance là pour aide-moi. Seigneur, présente mon main devant toi. Je renonce à tout mon esprit mauvais, esprit de la crainte, qui est capable dans mon âme depuis d'avant mon maman. Pardonne mon maman, c'est final que je suis sorcier, je suis un film, je suis un temps de bonne quelque chose,
Tu finis exposé même de ma place dangereuse. Oh, pardonne-moi, maman. On renonce à ce démon-là. L'esprit, la crainte est héréditaire. On renonce tout mon soc, tout mon la crainte, mon sorcellerie, mon mauvais film, mauvaise nouvelle, l'amour. Pardonne-nous, Seigneur. Quitte mon âme, l'esprit, la crainte, tout mon mauvaise histoire. Mon fin tendé. Seigneur, on commence à ce démon-là. Lorgue mon âme, au nom de Jésus. Quitte mes pensées, esprit cancer, esprit maladie, esprit la crainte, ban étien spirituel, la crainte fight, la crainte des hommes, la crainte l'avenir, la crainte maladie, la crainte l'incertitude. Arrête contrôle mon imagination. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, te délivre-moi et te aide-moi pour être rempli de toi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, God nous l'amène. Vous respirez par le nez et vous expirez par la bouche. Vous écoutez la prière bien ou pas par la langue. Ok, si la main pasteur par là, pour ne pas tarder, je étends la main, je écoute la prière, je tire, mais je caméra, etc. etc. Père Céleste, je prends l'autorité au nom de Jésus-Christ. Je lie sa principauté, la crainte, parce que je lie Satan au nom de Jésus. Lorsque l'esprit la crainte, l'esprit la crainte, l'esprit sort. Quelle autre pensée, quitte cette âme. Déracine-toi dans cette oreille. L'esprit serpent, l'esprit touffement, l'esprit asthmatique, l'esprit microbe, tuberculose, toi quitte cette au nom de Jésus. Toi quitte cette pensée, je lisais cette oreille, l'esprit serpent. Au nom de Jésus Christ. Toi quitte cette lipée, l'esprit malédiction. Seigneur, donne-toi la gloire, donne-toi la gloire, donne-toi la gloire. L'esprit jalousie, toi quitte cette. Seigneur, te pardonne, tout bonnement, je tiens motivé par la crainte pour m'aimer, pour plaigner, pour critiquer, Seigneur, pardonne. Sanctifié de vous par le sang de Jésus. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Amen. Respire fort. Dis à Saint-Esprit, remplis-moi votre présence. Je te délame là-haut. Je te pense Saint-Esprit, je te fais un sourire. Je te respire sous présence. Je te sens sous présence. Et certains parmi eux, je te l'ai ouvert, je vous sens sous présence. Je vous sens un parfum extraordinaire. Mais je ne pas parler, je ne veux pas distrait. D'accord? Respirez. Saint-Esprit, te remplis les autres. Continuez à respirer. Continuez même. Lorsque votre âme, Satan, grand Saint-Esprit, merci pour ta balance. Te remplis les autres par ta présence. Te mets en place vide. Quelle est pensée, mon brise? Te mets hypnotise sur cette pensée. Te remplis par ta présence. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Oh, bonne-toi la gloire. Maintenant, les autres, la main adore le Seigneur en langue et en moment. Adore lui en langue et en sourire, c'est tout. Borondana maranda galabarandi gedi brodi gedi bidi gada bada gada brodi gedi bidi. Notre cas, sans ces autres gagnent nos yeux, laisse-moi des mots l'aller. Est-ce qu'on a la paix dans l'équipe? Borondana gana maranda brigedi bidi. On prie tout mon hypnotisme aux autres pensées. À crainte des hommes, toi, allez au nom de Jésus. Quitte ce que l'esprit sorcellerie. Chasse ton esprit, Isabelle, au nom de Jésus. Quitte ce que l'équipe de penser au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, écoute-moi bien, Stéphane. Dis-moi pour ne plus payer. Pour prendre une décision. Pour rester dans la présence de Dieu. Médite tes paroles et être rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Bon, garde votre visage fermé, garde un sourire. Grand, il y en a plusieurs parmi eux, quand on a mal dit, on est tombé, on a démon là, quitte votre lipé, votre lérin finalé. On a mal dit, on est guéri de votre douleur dans votre lérin. On a mal dit, on a un problème respiratoire, on est guéri. L'asthmatique, bon, serré. Problème tuberculose, on a fait pulmonaire. Et dans ma vie, on a fait une quitte sur la tête, c'est une forme d'hypnotisme. Et dans ma vie, dans ce zoré, une déboussée. Cette néné, une déboussée. Je me sens mal, qui saute, qui saute, allez. Grâce à l'être, mon ami, qui saute, puissant, et allez. Je suis toujours libéré. Ma douleur, les deux finales, rhumatisme finale. Autant qu'il gagne sur les deux, les yeux sur les deux, restaurer. Les vous la met là-haut pour en guérison. Autant qu'il gagne sur les ancibles, il arrête de saigner. Rukatana mazana masantana malianda nan kiken sur les eaux une guérie
Une brûlée les yeux, bon Dieu, une guérie. On dit que l'esprit de la crainte, il y a un démon. Nous mettons des hauts. Comment la guérison dans le jeu? Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous prie pour ceux qui, pour me faire connecter avec nous, je ne pense pas que nous sommes les Jésus. On entend la parole de Dieu. On comprend qu'il faut vivre dans le monde sans tracas, sans paix à maladie, sans paix à manger, bon, sans paix à microbes, sans paix à affection, sans paix à l'amour, sans paix à accident, et qu'il y a la paix totale. Mais tout dans le monde, les Dieu, merci Seigneur. Ça m'a une parole, mon temps est là. Merci Jésus. De même, mon Sauveur, le Fils de Dieu. Mon corps qui donne mis la terre, dans l'écho humain. Dans ça, l'écho là, de final, la croix. Tu prends toute maladie, toute malédiction, toute souffrance, toute condamnation, tout péché. Tu goûtes l'enfer pour moi. Mais après 3 jours, je suis ressuscité parce qu'il peut obtenir la justice pour nous, par ton obéissance. Et toi, à la droite de Dieu, ta parole, dis-moi, à mon corps en toi, mon recevoir toi, on vient un enfant de Dieu. Pendant qu'il y a nous dans les ciels, nous la terre, pour qui mon cœur est sauvé, apporte-nous. Mon reconnaître, te même le sauveur du monde. Pardonne-moi, viens dans mon équerre. Sauve-moi Jésus. Je me renonce à Satan. Tu m'as péché. Qui m'a famine qu'a pas fait. Tu m'as mauvais l'alliance. Je me renonce à Satan. Jésus-Christ, prends-moi la vie. Demande au Saint-Esprit. Conduis à moi. Amen. L'argent de Satan. Merci pour la nouvelle naissance. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous demande, je glorifiez Jésus. Comment vous glorifiez Jésus? D'avoir nous un témoignage. Moi, tu sais, c'est bizarre, parce que Dieu oublie un témoignage. La Bible dit, moi, n'a pas oublié les bienfaits de Dieu. Puis, qu'on a oublié un témoignage. Ou pas oublier ce qu'ils ont fait aux Français. Oublier un témoignage, mais qu'est-ce que ça d'eau? Dans quel monde nous peut vivre? Hypocrite, ça, vraiment, c'est. Oublier un témoignage. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, raconte-nous, tout ce qui est arrivé, l'eau, ça passe là-même. Tu m'appelles ça, Zot? Nous passe. Elle avait des gouttes. Avez-nous un témoignage en détail? Nous prenons tout le temps, Lieli, nous résonnons avec le Seigneur, avec Zot, d'accord? Et quand on rend témoignage, ou c'est nous guérison, d'accord? Alors, n'a pas oublié, même si vous êtes nouveau, ou contactez-nous, ou connectez avec nous pour nous faire un kick-in, faire un follow-up avec vous, d'accord? Sinon, je vous dis merci à tous ceux qui écoutent nous de partout. Seigneur, compte en eux. Et je me rappelle eux qui nous mènent une réunion péridoune à la normale, qui veut dire jeudi, nous réunions dans l'esprit. Et Goodlands. Et nous commençons à prier à partir de 6h. Mais nous réunions à partir de 7h15. D'accord? Alors, merci Seigneur, le Seigneur bénisse eux. Et jeudi et dimanche, comme d'habitude, ceux qui habitent une ville bague, c'était 30 le matin et que lundi commençait qu'il y a 9h15 mon corps. Nous réunions de prière et puis 9h20 nous commençons à chanter, nous écoute la parole de Dieu. Sinon, je vous dis à merci, mon frère, mon soeur, le Seigneur bénis vous, mais je te bénis nous en retour, moi je bénis vous avec la parole de Dieu et je te bénis nous en retour par ce témoignage. D'accord? La paix de Dieu avec vous. Ça saisit là. Ça saisit là. Ça saisit là. Alléluia. Applaudissez le Seigneur bien fort. Alléluia. Amen. Amen. Pas bien de témoignage.